Pam, 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 pam. Bonjour tout le monde, ici Yaki Pan, de retour sur Undertale. Donc voilà, je m'amuse beaucoup, ce jeu est trop cool de toute façon. Un monstre, ça faisait longtemps. Oh mon dieu, qu'il est dégueulasse. Alors, est-ce qu'il faut faire une blague? Est-ce que vous avez fait une mauvaise blague sur la glace? Bon essai. Est-ce qu'il faut rigoler? Ok, donc en fait j'ai rigolé avant qu'ils disent quoi que ce soit. Merde. Bon, est-ce qu'il faut le écart? Is your flesh rotten as you? Quoi? Est-ce qu'il faut que je refasse une blague? Ah, oh, fuck. Bon, je ne sais pas. Ah, fallait juste check. Et là, je vais rigoler parce qu'il a fait une vanne. C'est ça, hein? Donc apparemment il a l'air content. Et son père était un connard. Ouais, c'était ça. Il est content. Bon, on se casse. Oh c'était quoi la voix que je lui ai donnée? Je sais plus. Donc, ce que tu disais à propos d'Undine. Oh mon dieu, il devient complètement taré, quoi. Mon dieu, est-ce que c'est un humain? Je pense que c'est un caillou. Hé, qu'est-ce qui est devant le caillou? Oh mon dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon dieu! Ça, je l'ai fait! Endgame va! Je vais être tellement populaire, populaire, populaire! Humain, tu ne vas pas passer cette zone. Moi, le grand papyrus, je vais t'arrêter. Et après, je vais te capturer. Et tu seras livré à la capitale. Et après, je sais pas ce qui va se passer après. Dans tous les cas, essaye de continuer si tu l'oses. Eh ben, c'était très bien. Don't sweat it. N'aie pas peur, sûrement, un truc du genre. Hein. Genre, par rapport au fait que quand tu as peur, tu sues ou des trucs comme ça, non? Oh mon dieu. Je vais garder un globe oculaire pour toi. Genre, grosse vanne, quoi. Donc, oui, il y avait. Ah, mais il n'y avait pas de cailloux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Combat. Oh là là, Ice Cap. Bon alors, nous allons le check. Cet adolescent se demande pourquoi il s'est pas appelé Ice Hat. Where's yours hat? Merde, je m'attendais pas à ça. Je vais le complimenter. C'est... Ok. Ça va, c'est... Oh! Merde. Je vais l'ignorer. Je crois qu'il aime pas le fait que j'ai pas regardé son chapeau. Est-ce que je peux le voler? Ah! À l'aide! La police! La police de fashion. Ah, attends. Ah, donc il faut que je regarde. En fait, je pense qu'il faut que je l'ignore jusqu'à ce que, quoi. Voilà. Il est pas content que j'ai... Que j'ai complètement foutu en l'air son groove. Ouais, c'est ça. Oui! C'est quoi, ça?
Oh non. En fait, c'est une cabane pour surveiller si les humains ne seront pas là. Oh god, non. Absolutely not moving. Est-ce que quelque chose a bougé ou c'était mon imagination? Je ne peux seulement voir les trucs qui bougent. Si quelque chose était en train de bouger, par exemple un humain, je serais sûr de ne plus jamais le refaire bouger. Oh merde. Doggo blocks this way. Et si je le caressais? Don't move. Je n'ai pas bougé. Ouais, j'ai pet Doggo, il est content. Mon dieu, j'ai été aimé. Il a été pet. Et il était très heureux d'être une femme, voilà. Yeah, nous avons gagné parce que nous lui avons fait des câlins. Y a quelque chose qui m'a touché. Quelque chose qui ne bouge pas. J'ai besoin de certaines... Doctrix, c'est ça là. C'est ça, voilà. C'est de la Doctrix. Oh mon dieu, mais il les fume. Ok. Coucou. Hey. Il y a quelque chose qu'il te faut te souvenir. Mon frère a une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, ne bouge pas. Sinon, ça va te tuer. Imagine a stop sign when you see a stop... Ah, putain. C'est très facile de s'en rappeler. Regarde, imagine un panneau stop. Quand tu vois un panneau stop, il y a écrit « tu t'arrêtes », n'est-ce pas? Les panneaux stop sont rouges. Donc imagine un panneau stop bleu. C'est simple, non? Quand tu combats, essaie de penser à propos d'un panneau stop bleu. Et c'est écrit dans toutes les couleurs du monde. Oui! C'est le swag. On s'en va. Ah, tu es tellement paresseux! Tu es en... Tu as... Hein? D'accord. Tu t'es reposé toute la nuit! Je pense que c'est... appelé dormir. Toujours des excuses. Oh non, le petit humain est arrivé. Pour t'arrêter, mon frère et moi, nous avons créé des pièges. Je pense que tu vas trouver celui-là tellement électrisant. Tu vois, il est invisible. C'est un labyrinthe électrique. Si tu touches un mur de ce... De ce labyrinthe, cette orbe va de suite te donner une décharge électrique. C'est drôle, n'est-ce pas? Parce que... Ça sera sûrement... Oh là là, putain, j'ai du mal à traduire, mais là, c'était tellement drôle. Il dit que ça avait l'air très drôle, mais qu'en fait, ça ne l'était pas trop. Allez, maintenant, tu peux y aller. Ça... Qu'est-ce que tu as fait? Je pense que c'est l'être humain qui doit avoir l'orbe. Ah, d'accord. Quel autiste. Tiens ça, s'il te plaît. Allez, maintenant, essaye. Bah, on va prendre le même chemin, hein. Oh mon dieu, comment tu as fait? Tu la résous tellement facilement. Cependant... Pardon. Le cependant, ça me fait penser à Toriel. Le prochain ne sera pas si facile. Ça a été fait par mon frère, sans... Ok. Tu seras confus. Moi, je l'étais. Il s'est barré en arrière ou j'ai rêvé? Eh, c'est quoi, toi? Salut. Mais moi j'en veux. Hey, c'est un vendeur. Coucou, est-ce que tu veux de la nice cream? Oh mon dieu. Le jeu de mots avec ice cream et nice. En fait c'est de la glace gentille. Je veux de la gentille glace. Oui, 15G. Oui, allez, je veux de la glace. Ouais. J'ai eu de la nice cream. Il est heureux, regardez-le. Oui, une bouboule de neige. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai pensé à vendre des bonbons, moi aussi. Est-ce que tu veux de la glace frite, sûrement? Non, merci.
Il a dit qu'il devait... Non, c'est pas là. Il a dit qu'il devait sûrement la vendre plus cher. Bon alors. Oh. Bon. Là, il y a un trou. Faut faire un truc ou... Bon, je sais pas. Ah, mais le chemin continue. D'accord, on s'en va. Humain, j'espère que tu es prêt pour... Ça, où est le piège? Ben, c'est là. Sur le sol. Crois-moi. Zaznori, crois-moi, il n'y a aucun moyen qui peut passer ce test. Ok. Ah, c'est un truc avec des mots qu'il faut rechercher. Alors, j'ai trouvé... Et si je fais ça? Ça! Ça n'a rien fait! Oups! Je savais qu'il fallait faire quelque... Je savais qu'il fallait que j'utilise les mots croisés du jour à la place. Quoi? Les mots croisés? Je peux pas croire que tu dis ça! Mon opinion, c'est que les Junior Jumble, c'est vraiment le plus difficile. Alors, le Junior Jumble, ça doit être ce qu'il y avait là par terre. C'est-à-dire la recherche de mots, quoi. Quoi? Vraiment? C'est vraiment trop facile, les Word Scrambled. Ah, putain, attends, c'est mots croisés et mots fléchés, peut-être. C'est pour les petits-enfants. Tenez... Non, c'est incroyable. Humain, choisis. Qu'est-ce qui est le plus dur, les jumbles ou les crosswords? On va mettre les crosswords. Vous êtes bizarre. Les crosswords sont trop faciles. C'est la même solution à chaque fois. Tu remplis toutes les petites boîtes avec la lettre Z. Parce que à chaque fois que je regarde un mot croisé, tout ce que je peux faire, c'est ronfler. Grosse vanne. Oh putain, Papyrus. Il trouve des difficultés dans des endroits faciles. Hier, il a... Oh mon dieu. Hier, il a eu du mal à résoudre l'horoscope. C'est une note de Papyrus. Emma, mange les spaghettis. En fait, tu le sais pas, mais les spaghettis sont un piège. Ok. Ok, tu seras tellement occupé à manger les spaghettis que tu n'avanceras pas. Ni, tu seras... Ni, Papyrus. C'est un plat de spaghettis froid. C'est tellement froid que c'est collé à la table. C'est un putain de... De micro-ondes pas branché. Et toutes les options sont marquées sur spaghetti. Oui, sachant que la souris peut un jour sortir pour manger les spaghettis, te remplis de détermination. Merde. Voilà, on re-sauvegarde. Voilà. Où on va maintenant? Oui, je savais qu'il y avait un truc là. Lesser Dog. Alors. Je crois que j'ai pas beaucoup de solutions. Oh! Mais le cou du chien, il s'est allongé. Ah! Salaud! Ah, c'est génial! Oui! Il est très excité. Oh non, non, mais on va faire tous les pets du... C'est génial! Il est en train d'avoir la tête qui... Ah, salaud! Casse-toi! Il est en train d'avoir le cou qui s'allonge, c'est génial! Encore! Il est tellement ZF. Encore! Génial. Encore. Tu as besoin de sauter pour pouvoir le caresser. Oh mon dieu, mais c'est génial. Il va s'envoler. Il va s'envoler.
s'envolait. Ah, il est sur les nuages, bordel. Faraway Bark. Oh merde. Hein? Me dis pas qu'il redescend. Oh mon dieu. C'est génial. Ça s'arrête jamais. Bon, c'était drôle, voilà. Ah là là. Oh non, il a tout rétréci. C'était trop drôle. Ce jeu, c'est n'importe quoi. Ouh, y'a quoi? Ah, c'était la carte pour trouver le switch. Pour ouvrir là. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là. C'est des gardes. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Si tu es une odeur... Oh mon dieu. Bon, alors, une odeur, c'est smell. Et quand on te demande de t'identifier en anglais, c'est identify yourself. Et là, ils ont fait identify your smell. Voilà. Grosse vanne. Ok. Il y a toujours cette odeur bizarre. Ça me donne envie de l'éliminer. Ok. Oh, il te faut des bisous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il sait seulement ce qu'il est en train de sentir. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Bête, peut-être. Resniff peut-être. The dog sniffs you again, but your smell just as weird as before. Ah, je pense que j'ai trouvé. Oh là là. Ok. Donc en fait, faut peut-être se rouler dans la neige. Comme ça, au moins, tu sens plus. C'est ça, non? Ok. Bon, maintenant, ressentez-moi. Donc là, maintenant, ils sont contents. Donc maintenant, je peux les péter. C'est ça? Merde, je suis trop con. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire? The dog thinks that you may be a lost puppy. Donc, si je la pète, elle aussi, ça fait quoi? Ah, mais ils sont jaloux, ils font chier. Les deux sont jaloux à chaque fois, en fait. Les dogs... Ah, d'accord. Bon, mais ils sont heureux. Bon, bah, j'ai pas tout compris, mais ok. Un chien qui peut faire des papouilles à d'autres chiens. Un nouveau monde s'ouvre à nous. Merci, petit chien bizarre. Putain, ils sont en zarbi dans ce monde. Bon, je sais ce qu'il faut faire. Je vous passe les explications, tout ça, voilà. Ah! Quoi? Comment t'as fait pour esquiver mon piège? Et, plus important, est-ce qu'il en reste? Oh! Je les ai mangés. Vraiment? Ah! Personne n'avait aimé ma cuisine avant. Ouais! Fred, note humaine. Je sais pas, Fred Note, je sais pas. Donc peut-être. Mais ne te fourvoie pas, un truc du genre. Le Master Chef Papyrus te fera d'autres pattes si tu le veux. Coucou. Mon frère a commencé une collection de chaussettes. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Des fois, je me demande ce qu'est-ce qu'il ferait sans.
sans un cool gars, un mec gentil qui prendrait soin de lui. Bon, on refait la même. Oh là. Humain, comment je peux le dire? Tu as mis beaucoup de temps à arriver, donc j'ai décidé de... d'améliorer ce puzzle. J'ai arrangé la neige... To look more like my face. Oh putain. De ressembler à ma tête. Mais malheureusement, la neige a... glacé au sol. Donc maintenant, la solution est différente. Et comme d'habitude, mon putain de frère, qui est une grosse feignasse, n'est pas là. Je suppose que ce que je suis en train de dire, c'est « Ne t'inquiète pas, humain. Moi, le grand papyrus, je vais résoudre ce conundrum. » Alors là... Et après, nous pourrons procéder. Pendant ce temps, essaye de résoudre ce puzzle. Je ne te donnerai pas la solution, mais en fait, j'en ai une, donc bon. Voilà, c'est soit tu peux faire le puzzle, soit tu fais ça. Waouh, tu l'as résolu. Et tu l'as fait sans mon aide. Tu es incroyable, je suis impressionné. Tu dois être vraiment très fort au puzzle. Donc tu vas aimer le prochain puzzle. Nye. Oh là là, il est complètement taré. Coucou. Comment on appuie Z? Bravo d'avoir résolu ce truc si vite. Tu n'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui est bien, parce que j'aime beaucoup ne rien faire. Salaud. Oh putain, oui. L'explication, je vais essayer de pas la louper. Eh, c'est l'humain. Tu vas aimer ce puzzle. Ça a été fait par le grand docteur Alphys. Tu vois ces tuiles? Bon, ces tuiles, c'est les carrés, quoi. Le carrelage, si vous préférez. Dès que je vais actionner le switch, ça va changer de couleur. Et chaque couleur a différentes fonctions. Alors, les rouges sont impassables. Tu ne peux pas marcher sur elles. Les jaunes sont électriques. Ça va t'électrocuter. Les vertes, ça va créer des alarmes. Si tu marches sur une, tu vas devoir tuer un monstre. Les oranges sont juste des tuiles qui sentent l'orange. Ça va vous faire sentir délicieux. Les bleus sont de l'eau. Tu peux les traverser, tu peux nager si tu veux, mais... Si tu sens comme les oranges, les piranhas vont te manger. Ensuite, les bleus... Après les bleus, il fait blue tile. Ah non, si la tuile bleue est juste après une jaune, l'eau va t'électrocuter. Les violettes sont glissantes. Tu vas glisser à la suivante. Oh mon dieu. Cependant, le savon, il sent comme les citrons. Et les piranhas, ils n'aiment pas ça. Donc, le violet et le bleu, c'est ok. Enfin, les tuiles roses, elles ne font rien. Tu peux y aller, c'est bon. C'est bon, tu as compris? Évidemment que j'ai compris. Bon, c'est parti. Le puzzle, il est random. Et quand je vais appuyer sur ce levier, ça va mettre un puzzle. Qui n'a jamais été fait avant. Et je ne connais même pas la solution. Allez, c'est parti. Ok. Coucou! Ah, en fait, je pense que les spaghettis d'avant, ils étaient pas trop mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé les leçons de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je pense que s'il continue, il va pouvoir faire quelque chose de mangeable l'an prochain. Ah, c'est le chien! Ah!
La sauvegarde. Sachant que le chien ne va jamais abandonner pour faire un chien de neige parfait, ça te remplit de détermination. Ah, c'est quoi ça? C'est une vache? Ok. D'accord, donc en fait, il a toujours été excité par la sculpture, donc après, ben, il a mis de la neige, et puis après, ça a été redétruit, et voilà. Bref. Oh shit. Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah putain, j'aime pas trop ça. Si je fais ça... Ça... Et merde. Ah! Je crois que c'est ça, mais que je me suis planté, en fait. Là... Là... Ah mais non, je suis con comme une valise sans poignet, moi. Là... Là, là, là... Voilà! Oh, oh, oh... Ok. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que... C'est un chien. Et alors? Et il est heureux. Oh God! Oh là là. Ah mais salaud! Je pensais qu'elle était bleue moi. La 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 la. Ok. Alors, Ah, putain, en fait, faudrait que je la... Ah, salaud! En fait, faut que je l'appelle. Ah, putain. Si je l'ignore, ça fait quoi? Ah, voilà! Non, maintenant qu'il est prêt... Putain, je suis vraiment trop con. Non, maintenant qu'il est prêt, est-ce que je peux le caresser? Ah, il s'est endormi. Et après, il s'est réveillé. Il est tellement excité. Ok, donc maintenant qu'il est excité, nous allons jouer avec. Il a ramassé toute la neige pour te la porter. Maintenant, il est vraiment fatigué. Et le reste, c'est pour toi. Enfin, c'est à toi de le gérer, quoi. Oh, merde. Mais maintenant, il faut que je fasse quoi? Il veut de la TLC, mais c'est quoi TLC? C'est quoi TLC? Ah putain, faut le pète encore. Ok, il s'est mis sur le dos. Merde. Je vais perdre. Ah, putain, enfin. Ah, vous voyez, le mode où on tape pas forcément les gens en mode retard, ça peut être aussi compliqué. Hein. Chien. The Annoying Dog. Ok. J'arrive pas à expliquer des choses. Il y a un pont. On peut tomber? Non. Putain, mais moi, je marcherai jamais sur un pont comme ça. Ah, c'est Papyrus. Humain.
C'est ton dernier, le plus dangereux des challenges. Behold, attention, peut-être, je crois. Le gantelet de la mort terrifiante. Quoi? Holy shit! Y a le chien! Quand je dirai le mot, ça va vraiment s'activer. Les canons vont faire feu. Les piques vont swinger, c'est-à-dire vont se balancer. Et les épées vont te couper en deux. Ça va faire ça très violent avec haut et bas. Seule la petite chance de victory va rester là. Est-ce que tu es prêt? Parce que je suis... je vais le faire. Pardon. Ça me détruit la gorge. Bon, et c'est quoi là qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, Ken? Je vais l'activer. Ça n'a pas l'air très activé. Ouais, eh ben c'est le challenge. Eh ben, il semble que c'est peut-être trop facile pour tuer un humain. Oui, je peux pas le tuer juste avec celui-là. J'ai des squelettes avec des standards. Mes puzzles sont très... juste, dans le sens c'est injuste ou c'est juste. Et quand mes pièges... sont vraiment préparés avec soin. Mais cette méthode est trop directe. Ce n'est pas avec classe. Donc ça s'en va. Iou. Qu'est-ce que tu regardes? C'était une autre victoire décisive pour Papyrus. Oh merde, le bruit qu'il fait. Coucou. Je sais pas ce que mon frère est en train de faire, mais si j'étais toi, je ferais attention aux attaques bleues. Ok. Ouais. Welcome to Snowden. Mais je crois qu'on va s'arrêter là, en fait. Oui. Ça me donne beaucoup de détermination. Ouh, c'est un marchand. Voyons si je peux acheter des tough gloves, plus 5 d'attaque. Ouais, bon, sachant que j'ai pas besoin d'attaque. Ah, de la défense, par contre, je pense que ça, ça peut être cool. C'est quoi ça? Heal 11 HP x 2. Ah, on peut le manger deux fois, et le cinnamon bun. Je pense que je vais prendre ça. Je prendrai moins de dégâts. Je sais pas si je fais des conneries, mais... on verra. Au pire, on me le dira. Alors, c'est... Non, c'est item. Putain, on se parlait dans Pokémon. Je suis déjà en train de refaire mon stuff. Manly Bandana, nous allons l'utiliser. Oui. C'est. C'est. Stat. Manly Bandana. Et il n'y a pas le... ouais, le Faded Ribbon, là. Il fait quoi? Armor. Ah non, faut peut-être garder le ruban, en fait. Parce que les monstres, apparemment, si tu es de plus en plus mignon, ils ne te taperont pas très fort. Ouais, mais ça donne que 3 de défense. Bon, bref. Là, c'est une auberge. J'ai de la vie ou pas? J'ai pas regardé. Oui, j'ai toute ma vie. Ah, j'ai du mal avec le bouton. Bon, bah apparemment, ils sont tous en train de s'enjailler, là, dans la ville. Le Grillbees. Bon, on fait quoi? On quitte ou on quitte pas? Il y a une grosse... ça dépend. Ouais. On va peut-être quitter là et on se verra la semaine prochaine, hein, je pense. Ouais, on va faire ça. Ça fera pas un épisode trop long. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour du Undertale. J'espère que vous vous amusez toujours. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur ce que j'ai à faire. Ou pas à faire, s'il faut les voix ça vous saoule, s'il faut la traduction vous en avez juste marre et vous allez juste vouloir que je lise en anglais, puis c'est tout. Donc dites-moi, n'hésitez pas franchement à me donner votre ressenti parce que j'en ai besoin, c'est une nouvelle série, faut que je l'installe et surtout faut que ça continue à plaire. Donc je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me partager vos avis. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao ciao.